Salut à tous, c'est Slon pour cet épisode sur Far Cry 3, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Et on se retrouve pour le, sans doute, certainement le dernier épisode de Far Cry 3. On a fait tous les DLC. Ça y est mon ami, tu es prêt à y aller? Ou tu veux plus de temps? Parce qu'une fois lancé, faudra aller jusqu'au bout. Tout est prêt. J'ai caché un couteau dans ma botte. Détourne son attention quand je dirai le mot deal. Ok, compris. Ah! Bienvenue, messieurs. Entrez! Entrez! Asseyez-vous! Ça vous va, Holdem 5 cartes? Ouais? Est-ce que je vous offre quelque chose? Vous avez faim? Des noix, peut-être? Non. On sent la tension. Le poker. N'y connaissent rien, vous diront que tout dépend de la chance. Ou, ce cher Sam ici, il dira que c'est l'art du bluff. J'ai raison, Sam? Bien. Pas du tout. Hein? On vous fait juste jouer jusqu'à ce que la banque gagne. Suivi pour ça, moi. Je ne m'en lasserai jamais. Je mets le tapis. Je vais suivre. Ça c'était une erreur, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Je voulais pas mettre le tapis. Et tout le monde a mis le tapis, donc je pense que c'est bien. Je sais pas. Je relance. Suivi. Moi je peux pas suivre, j'ai mis le tapis. Je check. Je vais checker. Au moins on reste comme ça. Oh. Désolé. On parle du casino. Ah, regarde ça. On a les mêmes cartes. Alors, rendons ça intéressant, d'accord? Foster. Jason Brody, quel que soit ton nom, franchement, je m'en fous. Tu crois vraiment que je suis aussi stupide? Continuons la partie. Le donneur à gauche, c'est ça? Là, je crois qu'il passe son tour. Alors, j'ai vu tes retrouvailles avec Riley. Ça m'a tout remué. Et peu de choses m'émeuvent. Mais je l'admets, je ne te croyais pas aussi dur. Torturer ton propre frère. Détruire la moitié de mon organisation. Et merde. Jouons notre vie, hein. Au poker. Ouais. Mais la vie, c'est comme le poker, hein? Je te pardonne. Alors, ton prix sera le mien. Tout le monde a un prix. Il y a les pantins et ceux qui tirent les ficelles. Le système est conçu pour fonctionner comme ça. J'emmerde ton système. Oh, la couleur n'est déjà pas la bonne. Je suis pas bon au poker, mais je pense que la couleur ça compte aussi. Ouais. Bon, il y a de la triche aussi, ça c'est clair et net. Hein. On s'en doute un petit peu. Tiens, tu vois, Jason. J'ai pas envie d'être un salaud, vu que tu te bats pour ta famille. Un doigt à chaque main perdue. Je crois que je vais commencer avec l'annulaire. Oh,
C'est sûr qu'on va jamais se marier, là. Tu sais que t'aurais pu te joindre à moi. T'aurais gagné un beau tas de fric à chaque meurtre. Je t'emmerde. Je n'ai aucun plaisir à faire ça. C'est vrai, je te jure. Allez, viens te battre. J'ai besoin de 10 doigts pour manier un couteau. Je faisais déjà ça avant que tu viennes au monde, fils de... T'attends, vieux débris. Tu me déçois énormément, tu sais, Jason. Tu ne m'as pas demandé de nouvelles de ton petit frère Riley. Où est-ce qu'il est? Assure-toi, je l'ai vendu à un ami très spécial au Yémen. Il les aime jeunes. J'ai de très puissantes relations qui te pourchasseront. Personne ne retrouvera ton cadavre. Tu ne peux pas gagner. C'est moi qui ai toutes les cartes. De quoi est-ce que t'as peur? Ton frère est à l'aérodrome. Tu ne veux pas que cet avion parte sans toi? T'es en train de vol. On a réussi. Du premier coup, on a réussi. Il n'y a même pas de succès. Donc notre seul allié sur cette foutue île de merde est mort. Ok. Garde son calme. On va aller tout de suite par là-bas, comme ça. Tac. J'ai pas de soins. Voilà, je me rends compte. On va recharger. On va faire le tour. Oh non, ça explose pas tant. Ici on est en sécurité. Alors pourquoi t'as pas pris ce scalpel mais un bout de bois? Putain, fait chier. Même si le but c'est de sauver notre frère, hein. En tout cas on va pas perdre de temps avec ces types. Hein. En plus qu'on a une limite de temps. Allez hop, on crache les balles. Vache, il tire des lance-roquettes. Léger, il monte le pont. On prend cher quand même. Hein. Allô? Jason, où es-tu? Je t'emmène tout le monde, je sais pas où. Viens nous aider. Quoi? Je t'entends pas. C'est le plus vite possible. Bordel de merde! Putain, ça tu l'as dit. Il a tout calculé, ce connard. Bon, vu qu'il soit là. C'est parti. On se re-souhaite. J'avais pas besoin de ça. Question, est-ce que j'ai le centre de base du tir? Il est où cet hélico? Il est trop haut. Bon, ok, on va se calmer. Avant de crever.
pense pas qu'il tournerait pour moi. Mais... t'as fait ta dernière erreur, salaud. Je vais les éliminer un par un. Il n'y a plus personne. Attends, je vois le mec là-bas. On va prendre notre temps. Hein. Oh, j'ai eu de la chance. Pas grave, il faut prendre notre temps. Bon. Il y a encore des gens ici ou pas? J'ai l'impression d'avoir ratissé la zone. Bon, on a bien nettoyé la zone, il n'y a plus personne. On va se mettre ici pour avoir la la tourelle. Hey, je suis là. On a nettoyé la zone, c'est nickel. C'est propre. J'ai réussi. Dieu soit loué. Merde, je savais pas si tu viendrais. Il faut foutre le camp. Ok, viens avec moi. J'ai cru que je te reverrais. Tu mourras en hurlant. Putain, le con, il a fait, il va y faire exploser la caisse. Ça, ça s'appelle du professionnalisme de base. Va peut-être désactiver cette ça en fait. Hop. Bon, y a pas vraiment de truc à craindre. On a tout ratissé, y a plus personne. Voilà, ça c'est du professionnalisme. Vous allez voir, je vais mourir avec l'hélicoptère après. Je vais devoir tourner, nettoyer, j'aurai pas la tourelle. Moi je le sens comme ça. Hein. Tac, il faut aller de l'autre côté évidemment. Putain, merde! T'as piloté un hélico? Non! T'as pas ton brevet de pilote? C'est pour les avions ce brevet! Il est jamais trop tard pour apprendre! Quoi? Oh merde! Et c'est là qu'il y a des. Il y a une centaine d'ennemis qui arrivent de tu ne sais pas où. Elle vient où de la grenade là? Non, j'allais le toucher.
putain, il nous a esquivé de peu. Vite. Je sais. Il y a un deuxième, ok. Tout doit exploser. Ou presque. On va attendre que ça recharge parce que c'est là que la partie compliquée va commencer. Là il y a encore un lance-roquette, je sais pas où, on va essayer de viser. Mais c'est là que la partie compliquée va commencer. C'est pour ça que j'ai pas détruit les trucs. C'est pour ça. Pour pouvoir tirer maintenant. Voilà. Une. Oui, je peux tirer sur ça pour que ça explose. Sur le toit. Tan tan nana point point pam para point pam para point pam para point point para point point para point 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 para point 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 para point point para point point point. Putain, le... Il est toujours pas mort. Mais pourquoi tu fais des rondes là? Tu veux que nous faire buter en fait? Trois hélicoptères. Allez hop, va. On perd très vite le contrôle hein, dans un avion comme ça. Oh, j'ai tué quelqu'un. Ok, j'ai tué pilote par un héros hasard. Oh merde, c'était vraiment chaud. On a réussi. Ouais, bah, j'ai appris des meilleurs. Continue dans cette direction. Les autres nous attendent. On a réussi. Ça va, ouais, c'est ce que je sais faire. Il faut savoir que c'est ma... Okay. Wow. Oh, ça c'est trop cool. Il faut savoir que c'est pas la première fois que je commence hein, ces épisodes. C'est la deuxième fois que je fais cet épisode. L'autre, il a fait 29 minutes et j'étais resté ici bloqué. J'ai pas traversé la base. Et là, on est à peine à 17 minutes et j'ai tout réussi. Donc je suis très très content pour l'instant. Parce que la dernière fois, ça a été chiant, ça a été saoulant. Ça m'a dégoûté. Ils ont dévasté la... ben, l'endroit. Au revoir, docteur. Est-ce que je peux sauvegarder? Je peux sauvegarder. Ok. Tant pis. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai vérifié que ça filme toujours. Docteur, parce que... Docteur Earnhardt. Oh mon dieu. Jason. Et mes amis? Où sont mes amis? Je n'ai pas pu arrêter les guerriers de la jungle. Je suis désolé. Ils ont conduit vos amis. Vers le... temple. Pourquoi? Je dois aller au temple. Mais pourquoi? Moi non plus, je comprends pas. Pourquoi les avoir kidnappés? Je pensais que c'était Hoyt. Y aller tout de suite. Pourquoi avoir reste près de moi, Riley. Choix difficile. Ah ok, la choix. Ok, bon. Je vais vite voir dans les compétences.
Bah, tout a été débloqué. Je vais voir le tatouage. Ouais, il est pas débloqué non plus, mais ça, je comprends pas pourquoi. Enfin, peut-être, on va voir. On avance. On va attendre Riley. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Oh mon dieu, ils ont allumé toutes les lumières. Citra, qu'est-ce que tu as fait à mes amis? Je me réjouis de ton retour victorieux. Hé! Hey! Où est-ce que tu l'emmènes? Je suis là pour t'aider. Regarde-toi. Fort, grand, puissant. Pourquoi voudrais-tu redevenir ce que tu étais? Aujourd'hui, tu es parfait. Tout est ma faute. Je t'ai laissé seule avec tout ce fardeau. La voie t'a purifié, mais la délivrance n'est pas terminée. Ce qui veut dire? Je t'aime, Jason. Mais tu ne me laisses pas te donner tout mon amour. Je sais que c'est difficile à comprendre. Et ta douleur me fait mal aussi. Citra. Je ne recherche que ton bien. Je veux t'aimer pour ce que tu es. Adorer l'homme que tu es devenu. Tout sera bientôt terminé. Je te conduirai à l'hôtel et tu seras libéré de ton passé. Ensuite, je serai à toi. On peut pas dire que c'était vraiment attaché. Hein. Marche sur la voie du guerrier. Seul le plus fort peut survivre. Avec les Rakia, tu seras puissant. Comme ceux qui sont venus avant toi. Ils ne sauvent personne. Lisa? Tu parles d'un guerrier! Je parie de tirer dans le dos de face! Puissant guerrier, tu as gagné le dernier tatouage. Ils tomberont tous à tes pieds. Et je te regarde avec toutes ces armes. Tatouage étrange. Je comprends gagner parce que j'ai quelques tatouages sur le bras. Je les efface, Jason. Je t'appartiens. Tout est à toi. Ceci est ton nid. Tu vis dans ton monde imaginaire. Et moi, je vais l'effacer. Va au bout de la voie, où tous tes progrès, ton tatouage, ce que tu as réussi à faire sur l'île, sera effacé. Tu es prêt, guerrier. Voici ta lame. Un guerrier, ni un héros. Tu verras que tes amis t'oublieront. Avec leurs enfants et leur petite existence. Reste ici. La jungle sera toujours là pour toi. Et tu seras toujours notre roi.
Je l'ai, et tu n'auras plus à partir. La violence doit cesser. C'est fini. Je ne tuerai plus. Jason, regarde-moi. Reste avec moi. Tu n'as pas besoin de tes amis. Ton indépendance fait ta force. Jason, je t'aime. Jason, qu'est-ce que tu fais? Citra m'a sauvé. Elle nous a tous sauvés. Et tu me jettes sur la mort. Je t'aime. Ne me laisse pas. Désolé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Citra, pitié. Ne me laisse pas maintenant. Citra, je suis désolé. Citra, pitié. Ne m'abandonne pas. Je ne remettrai jamais. Je suis un monstre. Et je sens toute la rage qui est en moi. Mais il reste autre chose, très profondément, de plus que ça. De meilleur que ça. On a réussi. Avec ce plan. Je sais pas vraiment quoi dire, les fins c'est pas vraiment mon truc. Mais on a terminé le jeu. Comme ça a été un excellent jeu. Je l'ai adoré. Comme tous les jeux que j'ai fait en fait, donc... je le fais les jeux seulement que j'aime en fait, donc voilà quoi. Cette fin, je sais pas si je vais faire la mauvaise fin, la fin où il faut tuer ses amis. Pour être franc, j'ai envie de rester sur cette fin. Peut-être par après, mais voilà. Après toutes ces aventures avec Jason Brody. On a réussi notre quête. On a récupéré tous nos amis. Tué Vas et Hoyt. Citra est morte. Mais c'est pas grave ça. De toute façon, je lui faisais pas confiance à Citra. Generalist Programmer. Menu et interface programmeur. Sound Program Art Assistant Sonic. Et pour ceux qui veulent voir la mauvaise la fin que j'aime pas, il y a qu'à taper Far Cry 3 All Ending et puis c'est bon, vous trouverez. C'est pas très très compliqué à trouver. Pour être franc. Et maintenant. La question c'est quel jeu on va faire par la suite. Je vais un petit peu vous teaser parce qu'il y a deux jeux que j'ai envie de faire. Deux jeux.
Voilà, seulement deux jeux, voilà. Et on a terminé tous les let's play qu'on avait en date. Hein. Dishonored, Far Cry 3 et Metro 2033 Redux. On va pas reprendre directement sur un Metro Last Light, hein. On va faire une petite pause entre les deux. Far Cry 4, il n'est pas en ma possession, malheureusement je l'ai pas. Mais je pense, car récemment, il faut savoir, hein, je vous dis, hein, récemment, je me suis procuré le jeu, plutôt le Assassin's Creed Ultimate Collection, qui regroupe les 4 Assassin's Creed, Assassin's Creed 1, le 2, le Brotherhood et le Révélation, et j'ai le 3 et le 4 sur Steam, donc aussi sur Uplay, logiquement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire Assassin's Creed 1, parce qu'il faut savoir que j'ai fait que un quart du jeu. Je suis jamais allé plus loin, avec par flemme aussi. Et après on va continuer le 2, le Brotherhood, le Révélation. Et le deuxième jeu, ce sera BioShock, premier du nom, un jeu qui était énormément fait, je sais, mais bon. Je m'en fiche en fait, pour savoir combien de gens l'ont fait ou pas. Moi, j'ai juste envie de le faire parce que j'ai envie d'y jouer. Et puis c'est à peu près tout. Donc je pense qu'on va faire Assassin's Creed, hein, d'abord. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Mettez un pouce sur cet épisode ou ce let's play vous a plu. Un pouce rouge si c'est l'inverse, hein, si cet épisode vous a plu ou si c'est le jeu qui vous a pas plu. Hein, n'hésitez pas à commenter pour dire qu'est-ce qui vous a plu dans le jeu, qu'est-ce qui vous a pas plu. N'hésitez pas à vous abonner non plus pour permettre d'éviter de rater le moins possible sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager. Et puis c'est tout. Je me demande s'il y a un truc à la fin. Ouais non, il n'y a pas de truc à la fin. Dommage. Enfin j'espère. Ouais non, on respawn sur la carte. Retourner sur l'île. Non, je veux pas retourner sur l'île pour explorer. Trip d'enfer. Et on a terminé le jeu. Et voilà. Tam pam pam palapam. Je me demande ce que ça fait multijoueur. Accéder au salon. Oui. Oh, il y avait des gens en train de quitter la partie. Ok, il y avait des gens. Bon, pas grave, on va quitter. Allez, portez-vous bien. Ciao, bye. Peace.